ai ni jamu samangari Ok, on est parti. Monsieur, désolé pour le retard. Alors, on va à un hôtel à Pala. Ah, je vois bien où c'est. Eh ben, vous avez de la chance, il y a encore un hôtel ouvert à Pala. Vous voyez cet avion? Maintenant, il n'y en aura plus du tout. C'est peut-être bien le dernier à décoller d'ici. Plein de gens riches. Maintenant, il faut des relations et de l'argent pour tout payer. N'importe quoi, je vous jure, maintenant ici c'est l'anarchie. Je lui ai dit que l'avion était parti, mais il ne croit pas. Tout le monde pense que les avions vont revenir. Qu'est-ce qu'ils en savent? Regardez-là, c'est la saison sèche, le feu dévore tout, il serait pas comme un virus. Mon frère, il avait une jolie maison avec une grange et trois têtes de bétail. Un homme riche, un peu de pousse a tout détruit. Maintenant, il a quitté le pays. Il reviendra. Radio Libération dit la vérité à ceux qui la cherchent. Et cette vérité, c'est que votre pays a besoin de vous. Prenez garde à la mer. C'est une calamité. Un fléau s'est abattu sur notre magnifique pays. Et ils savent. Ils aiment pas trop l'animateur. Peut-être à cause de sa programmation musicale. Eh, moi, le boss a mis mes checkpoints sur le nez. Aïe, aïe, mais n'a plus besoin. Eh bien, on a un peu de maman à la gangoise. Comme il connaît son man. Venez où comme ça? C'est mon passager. Je l'emmène à l'hôtel en ville. Venez de l'aéroport. Oui, monsieur, de l'aéroport. Messieurs, vous êtes ici toute la journée, hein?
Si vous voulez au retour, je vous ramènerai de la bière fraîche, d'accord? Ouais. C'est bien, la bière. Alors dépêche, roule. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Tout à l'heure, monsieur. Sans vous vexer, monsieur. Ces milices, elles sont venues chez nous, elles ont tout pris et il ne nous reste plus rien. En ce moment. Mais c'est bon, elles se tiennent à l'écart en général. Faut pas vous faire de soucis, c'est que des gamins qui s'amusent. Vous savez comment c'est? Cherche à quitter le pays. Faut être fou pour rester ici. Fou, chauffeur de taxi. Monsieur, ça va? Vous avez pas l'air bien. Fatigué? La présence de la cible dans le pays continue d'être une influence déstabilisante. Il est en grande partie responsable de l'entrée récente d'armes dans le pays, en violation avec le programme d'union des signataires. Sa réputation de dangereux marchand d'armes est amplement méritée. Les ordres sont de l'éliminer. Ça n'a pas marché comme il l'espérait. Je respire encore et c'est toi qui as la malaria. Tu pourras leur dire que t'as essayé, mais ça suffira pas, hein. T'es viré, t'as eu ta chance, mais maintenant c'est fini. Et puisque les hommes comme toi travaillent que pour l'argent, t'es plus un problème pour moi. Tu vas devoir trouver autre chose à faire maintenant. Tes anciens clients ont pas l'air de comprendre qu'ils peuvent pas me tuer. Tu comprends ce que je dis? Personne peut me tuer, personne. C'est moi qui décide qui vit ou qui meurt, moi seul. Tu sais, j'ai lu un livre il y a longtemps, et j'y pense encore chaque jour. Ça m'aide à comprendre la vie. Le livre parle des hommes, de ce qui les motive. C'est très simple, en fait. L'essence la plus intime de l'être est la volonté de puissance. La vie serait vouloir et pouvoir, rien d'autre. Bye bye.
Allez, roule à pied. Pagan à Jack. Bien de t'administrer les premiers soins là-dessus. Tu qui es, pauvre? Toi, t'es un problème pour moi. Avec qui tu travailles? À l'hôtel, certains de mes hommes sont morts à cause de toi. Tu penses que tu peux travailler pour moi maintenant? Alors trouve-toi de l'équipement, on a des munitions et des médicaments, et des armes autant que tu veux.